nouvelle vidéo et ce sera une vidéo spéciale Cricut Joy. Vous avez été très nombreux et très nombreuses à me parler de cette fameuse petite machine et à me demander un petit peu mon retour après quelques semaines d'utilisation et voir un petit peu comment je m'en servais justement. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc je vais vous montrer évidemment le Cricut Design Space qui est donc l'application qu'on a sur le téléphone portable, sur la tablette ou sur l'ordinateur pour pouvoir nous aider à faire nos créations. Donc là, il faut quand même que je vous montre ce logiciel. On parlera évidemment de la machine et puis on fera une petite enveloppe ensemble. Comme ça, vous verrez un petit peu comment je fais et comment je m'organise. Allez, c'est parti. On va tout de suite se pencher sur mon bureau de création pour que je puisse vous montrer tout ça. C'est parti. Let's go! Alors, on va commencer par parler un petit peu matériel, un petit peu aide, etc. Donc ici, moi, franchement, comme j'étais tout à fait novice, j'ai acheté le livre « Ma Cricut et moi ». C'est le livre de Anne-Sophie Gouverneur, donc qui organise le festival de Noël « Je crée Noël ». Donc voilà, c'est vraiment un livre qui est super bien expliqué. Alors, c'est vraiment très très bien détaillé. Alors, je vais pas vous montrer tout l'intérieur du livre parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en main. Mais franchement, si vous avez vraiment du mal à commencer avec la machine ou que vous voulez vraiment être sûr de ce que vous faites, je vous conseille vraiment de lire son bouquin. Moi, il est là, il est posé sur mon bureau et dès que je me pose une question, je vais chercher dedans. On va dire que c'est un petit peu la bible de la Cricut. Et alors, ce qui est vraiment très bien fait, c'est que vous ayez la Maker, l'Explore ou la Joy, le livre vraiment est bien fait pour les trois types de machines. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'hyper chouette. C'est vraiment un bouquin que je vous recommande pour pouvoir bien prendre en main la machine. Alors évidemment, maintenant concernant un petit peu les accessoires qu'il vous faut, ça c'est vraiment, je vais dire, au choix selon vos besoins. Donc moi ici, j'ai récupéré mon ancien tapis de scrap qui me vient bien à point pour ne pas évidemment abîmer mon bureau. C'est un tapis que j'avais acheté tout simplement chez Action, donc le tapis vert qui est là. Et puis j'ai également le petit kit d'accessoires comme ceci, Cricut, qui est vraiment très très utile et avec lequel vous allez vraiment travailler énormément. Alors ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est vinyle, il y a tout ce qui a tout ce qui est décoration, etc. Ça, c'est vraiment un petit peu à vous de voir ce que vous allez faire. Il y a également la presse pour tout ce qui est textile. Alors moi, la presse, je ne l'ai pas encore. Je dis bien pas encore parce que je vais me laisser tenter pour évidemment pouvoir customiser des petites trousses, des t-shirts, etc. pour les enfants. Donc ça peut vraiment être très très chouette. Alors vraiment, pour démarrer, je vous conseille d'acheter ici le transfer tape, qui est vraiment un outil que vous allez vraiment utiliser énormément, et évidemment tout un choix de vinyle. Alors ça, vous regardez sur internet, il y en a vraiment énormément. Donc moi, je commande sur les créas d'Anna, mais c'est vrai qu'il y en a également sur Amazon ou sur d'autres sites. Donc moi, la machine, à savoir que je l'ai donc commandée sur les créas d'Anna, et je suis vraiment hyper contente de la qualité du service. Franchement, elle est vraiment au top, je vous la recommande. Alors ensuite, facultativement, vous pouvez évidemment vous fournir en stylo. Donc ici, on a les Infusible Ink. Ici, on a les stylos normaux. Alors j'ai mis, il y en a trois normalement dans la boîte, mais j'ai ajouté le quatrième qui était fourni avec la machine dedans. Il y a également les métalliques qui vont super bien aussi. Donc ça, pareil, c'est vraiment au choix. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez pour démarrer. Alors quelque chose que je peux vraiment vous conseiller aussi, ce sont donc les tapis. Alors au niveau des tapis, donc moi ici dans le kit que j'avais, j'avais le tapis pour carte. Donc ça, c'était dans le kit qu'il y avait chez les créas d'Anna. Donc ça, c'est vraiment très très chouette d'avoir ce tapis là si vous faites des cartes. Voilà, par exemple mes filles allaient à un anniversaire, du coup elles ont fait chacune leur petite carte pour leur petite copine. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Alors je vous conseille évidemment d'avoir deux sortes de tapis. Donc ici, j'ai le tout grand, le vert, qui est donc le standard, et le plus petit. Donc ça, c'est vraiment hyper chouette de les avoir. Si vous avez un projet plus long ou moins long, vous avez deux tapis. Alors ensuite, ce que je vous conseille également, c'est d'avoir le tapis bleu comme ceci, qui est donc le light, donc le léger. Alors il faut que je les nettoie parce que c'est vrai qu'il commence déjà à s'abîmer, mais il y a des techniques très simples pour les nettoyer. Alors concernant le light, moi j'ai quand même pris donc le grand modèle plutôt que le petit. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille d'avoir au niveau de la base.
Alors évidemment par la suite vous pouvez également vous fournir en petit papier inscriptible comme ça, adhésif pour faire des étiquettes. Enfin voilà, il y a vraiment mille et une choses que vous trouverez partout dans toutes les petites boutiques qui revendent tout ce qui est pour Cricut ou même sur Amazon. Donc là voilà un petit peu ce qu'il faut avoir au minimum pour pouvoir commencer à créer. Donc n'hésitez pas à regarder au niveau des couleurs. Alors c'est vrai que si vous avez la Joy, vous aurez des vinyles spéciales Cricut Joy. Donc voilà, ici par exemple celui-ci, c'est un spécial Cricut Joy. Alors c'est vrai qu'on peut le mettre dans la machine sans utiliser de tapis, mais moi autant vous dire que je me suis fait un petit bac où je garde justement les chutes de vinyle que je n'ai pas utilisées pour en refaire des petits dessins et tout ça et éviter le gaspillage. Maintenant si dans les couleurs Cricut Joy, je vais dire ça comme ça, vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous pouvez regarder les vinyles tout à fait normaux pour les autres machines. Donc voilà, ici c'était une toute grande boîte, donc ça c'est l'holographique, et du coup vous le coupez à la longueur que vous avez besoin et vous utilisez donc un tapis, et moi c'est ce que je fais. Donc ici pour l'enveloppe que je vais donc faire, j'ai découpé ici une partie d'holographique parce que j'ai envie d'avoir une écriture holographique, et du coup je viendrai donc la mettre sur le tapis et ça découpera très très bien aussi. Donc voilà un petit peu pour, on va dire, le matériel de base. Maintenant, je vais donc vous montrer le fameux Cricut Design Space. Donc voilà les amis, quand on ouvre le Cricut Design Space, voilà où on tombe. Donc ici, évidemment, si vous suivez bien ma souris, vous dira bienvenue avec votre prénom parce que donc moi, je me suis abonnée au Cricut Design Space. Alors quand vous recevez la machine, évidemment, vous avez donc un mois gratuit et après, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez continuer à payer l'abonnement ou pas. Alors honnêtement, je ne me rappelle plus du prix, il faudrait que je regarde. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup. Alors, il y en a qui diront que c'est un petit peu de l'argent jeté par les fenêtres, mais c'est vrai que je m'en sers énormément. Et du coup, il y a beaucoup de choses pour les abonnés qui m'intéressent. Donc voilà ici un petit peu ce qu'on trouve. Alors évidemment on a juste ici les images à la une, donc évidemment avec les événements qui se passent en ce moment, donc il y a tout ce qui est pour Halloween etc, on commence à voir des choses pour Noël, ça commence tout doucement à changer, donc au fur et à mesure des saisons etc, vous allez voir ça se remplit, c'est vraiment très très chouette. Alors évidemment juste ici en dessous vous verrez qu'il y a donc mes projets, donc ça c'est les projets que vous faites et que vous gardez. Alors ensuite ce qui est vraiment très très chouette, c'est que vous avez donc des idées, donc ici trop mignon pour faire peur, donc voilà ici il y a des petites cartes d'Halloween, mais il y a vraiment énormément de choix, il n'y a pas évidemment que ça, mais il y a plein de choses. Donc là pour les personnes qui ont la presse, vous pouvez voir comment on peut customiser un tote bag, donc juste ici, alors ça c'est vraiment hyper hyper chouette. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a de grands projets Cricut pour les débutants, et franchement j'en ai testé plusieurs et c'est vraiment hyper facile. Les instructions sont vraiment très très bien faites et on arrive vraiment à s'y retrouver. Alors je ne vous dis pas que j'ai la science infuse et que tout s'est très bien passé dès la première utilisation, pas du tout. Il a fallu quand même que je me trompe plusieurs fois avant de pouvoir réussir à faire quelque chose. Mais voilà, le jeu en vaut la chandelle. Alors ensuite, vous avez les nouveautés ici pour la Cricut Mug Press. Ça, moi, je ne l'ai pas et bien honnêtement, je ne pense pas l'acheter parce que voilà, faire des mugs, ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, mais peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. Alors ensuite, ici, il y a d'autres projets alors provenant de la communauté. Ça, j'aime beaucoup parce que ce sont des personnes qui vont faire elles-mêmes des choses et qui vont partager les patrons, je vais dire ça comme ça, directement sur le Design Space. Et ça, je trouve ça hyper chouette et hyper sympa pour les personnes qui partagent parce que c'est vrai que ça peut vraiment nous aider. Alors ensuite ici il y a donc les thermocollants pour les occasions etc, pour customiser des vêtements, vous voyez par exemple ici c'est vraiment super joli, it's my birthday. Alors tout ça il vous suffit simplement d'aller chercher un t-shirt très basique comme Primark, quelque chose comme ça, et puis après vous pouvez le customiser, donc ça c'est vraiment hyper chouette je trouve, et même pour les enfants c'est vraiment hyper top, ça les amuse, les enfants adorent. Alors par exemple ici je vais donc vous montrer comment je fais pour pouvoir justement faire une enveloppe et donc la customiser. Donc évidemment ici je vais venir donc, alors très important, sélectionner la machine que j'ai. Donc moi ici évidemment c'est la Joy, mais vous avez donc toutes les machines que vous voulez ici, et évidemment ça s'adaptera à
la taille de votre machine. Si par exemple vous sélectionnez la Joy et que votre projet est trop grand, il vous dira que la machine n'est pas adaptée. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper important. Donc toujours bien sélectionner la machine que vous avez. Donc ici au niveau du projet que je vais faire, je vais venir ouvrir donc un nouveau projet. Donc voici un petit peu comment ça se passe. Alors à première vue, ça peut faire archi peur, ça peut foutre la trouille. Moi quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça, je vais jamais réussir à m'en sortir. Et puis au final, j'y suis très bien arrivée. Alors vous avez donc ici plusieurs outils. Donc si vraiment une vidéo sur le design space vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo vraiment là-dessus pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire, du moins dans mes compétences. Donc ça, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Alors ensuite, donc pour pouvoir créer justement mon enveloppe, je vais donc venir sélectionner le texte. Donc voilà, ici le texte est là. Et donc ici, on va faire l'enveloppe loisir. Sortie, on va mettre une majuscule à sortie, ce sera plus beau. Voilà. Alors ensuite ici, moi je vais donc sélectionner tout ça et je vais demander que ce soit centré. Donc comme ça, ce sera plus joli. Alors évidemment, je vais venir changer la police que vous trouverez ici à gauche où il y a ma souris. Donc pour la police, on va voir un petit peu ce que je vais utiliser. Alors, vous voyez, il y a vraiment différentes polices. Donc, ça, c'est vraiment super chouette. Il y a vraiment toutes les polices que vous pouvez imaginer. Et si il y a des polices que vous souhaitez avoir et que vous n'avez pas, vous pouvez très bien en sélectionner d'autres. Et ça, je trouve ça, mais encore plus chouette. Donc, voilà. Alors, ici, il y a également dans le système. Donc, ça, c'est une nouvelle police que j'avais donc téléchargée et que j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve ça très 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 joli. Alors quand vous regardez ici, je viens donc d'étirer. Vous voyez ici, j'ai donc étiré. Et alors vous pouvez donc voir la taille que ça va donc faire. Donc 7,93 cm ou 7,872 cm ici sur le côté. Donc ça voilà, vous pouvez donc voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de la taille. Et ça c'est quand même hyper important de le savoir. Alors c'est hyper important de le savoir. Pourquoi ? Bah, tout simplement pour savoir si ça va rentrer sur votre enveloppe et ce qu'il faudra couper comme, comme papier, comme vinyle justement pour être sûr que ça puisse le faire sans problème. Donc voilà un petit peu ici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez voilà, changer l'espacement des lettres, vous pouvez les rapprocher. Vous pouvez diminuer l'espacement des lignes par exemple. Donc si vous voulez que ce soit plus proche par exemple comme ceci, rapprocher le mot sortie du mot loisir, vous pouvez tout à fait le faire. Donc voilà, c'est ce que je vais faire juste maintenant. Et donc voilà un petit peu ce que ça va donner. Alors là, dans un premier temps, je vais donc tout simplement imprimer le mot comme ceci. Et ensuite, on passera à la décoration de l'enveloppe. Donc là, je vais venir installer maintenant ma machine, donc ma Cricut. Alors, vous voyez ici, au-dessus de mon bureau, j'ai donc mis des petites choses. J'ai ici récupéré une petite box, c'était une box beauté que j'avais. Et donc, toutes les chutes de vinyle, je viens donc les mettre ici. Comme ça, quand j'ai des petites décorations à faire, je n'hésite pas à venir regarder dans ma boîte et à regarder s'il n'y aurait pas un petit morceau de vinyle qui conviendrait plutôt que de chaque fois aller recouper un grand morceau. Comme ça, ça ne sert strictement à rien. Donc, si j'avais vraiment un reste d'un long morceau donc que j'ai tout à fait gardé. Évidemment, je me suis débarrassée du plastique, mais je l'ai gardé, on ne sait jamais. Voilà ici, par exemple, ce petit morceau-là pourrait très bien me servir à faire une petite écriture. Donc, ne jetez pas vos chutes, gardez-les bien de côté. Donc, moi, ils sont ici. Elles sont là, comme ça, dès que j'ai besoin, je peux venir regarder ce dont j'ai besoin. J'ai également ma Dimo qui est à disposition. Je m'en sers un petit peu moins depuis que j'ai la Cricut, je vous avoue. Alors donc ici c'est parti, je vais venir installer ma machine. Donc voilà ici moi quand je l'ai reçue, hein, vous aviez vu, il y avait donc la housse qui était donc avec. Et c'était vraiment hyper chouette d'avoir pris la housse avec parce que je me rends compte qu'au final elle est rangée et elle ne risque rien. Donc voilà ici ce que ça donne quand elle est rangée. On va donc venir tout de suite la sortir. Et on va donc venir la brancher. Alors évidemment quand vous avez la petite housse, ce qui est vraiment très très chouette, c'est que vous pouvez donc l'emporter partout avec vous. Si vous êtes par exemple institutrice et que vous voulez faire quelque chose avec vos élèves, ben, vous pouvez tout simplement l'emporter avec vous. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Donc ici je viens la brancher.
je viens l'ouvrir. Donc voilà, moi je l'ai customisée un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'avais décidé de la rendre un petit peu plus jolie. Alors, quelque chose que je vous conseille vraiment d'acheter, c'est d'office une lame de rechange. Donc par exemple ici, vous voyez, j'ai donc la lame pour découper. Elle est donc ici. Ici, je ne suis pas encore super à l'aise, donc je me suis quand même dit que j'allais acheter une seconde lame, une lame comme ça de rechange. Donc évidemment, ça ne coûte pas grand chose, mais c'est toujours bien d'en avoir une. Alors évidemment, la lame comme ceci, ça s'entretient. Alors je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. Je vais essayer de... Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vais essayer de vous montrer la lame le plus près possible. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, et vous voyez la lame qui est donc là au bout. Alors j'ai lu que pour l'entretenir, vous pouviez faire une boule de papier aluminium et venir justement... l'enfoncer, je vais dire ça comme ça, dans l'aluminium. Donc là voilà, quand elle sort, voilà un petit peu ce que ça donne. Alors évidemment, moi j'ai déjà acheté une lame de rechange, on ne sait jamais, parce que c'est toujours quand on a envie de faire quelque chose qu'on a besoin d'une lame. Et j'ai découvert sur internet toujours que les côtés ici étaient donc aimantés. Donc ça, c'est vraiment hyper chouette. Alors si vous mettez le stylo pour faire une création et que vous enlevez donc ici la lame, vous avez deux côtés ici aimantés. Donc ça, ça sert si vous achetez d'autres choses comme la foil ou les roues de rainage, etc. Donc ça, c'est si vous achetez d'autres choses, au moins c'est aimanté, vous pouvez les laisser là-bas, ça ne risque rien. Évidemment, quand vous fermez la machine, vous les rangez, mais donc ça peut être intéressant à savoir, c'est une petite astuce. Donc voilà ici pour la machine, et évidemment si vous voulez mettre le stylo, c'est là-bas que ça vient aussi. Donc ici, on va tout doucement lancer l'impression justement de mes mots loisirs sortis. Donc ici, vous avez vu que j'ai donc découpé un morceau de vinyle comme ça, et je vais venir donc le coller directement sur mon tapis. Voilà, alors je vais vous montrer quand c'est collé évidemment ce que ça donne. Alors il y a évidemment une technique pour nettoyer les tapis et que ça continue à coller, mais je n'ai pas encore testé. Dès que j'aurai testé, je vous montrerai. Donc voilà, ici je viens de coller, alors vous voyez la caméra juste dedans, je viens donc de coller le vinyle juste ici. Donc là on va repasser sur l'ordinateur donc pour voir comment ça va se passer. Donc voilà ici, une fois que j'ai fait donc le mot qui est, enfin les mots ici qui sont bien là, on va donc venir appuyer sur créer qui est juste ici au-dessus. À droite en vert. Donc ici évidemment, comme moi j'ai donc mis le papier holographique pour avoir quelque chose de plus joli que le noir tout simplement, je vais donc sélectionner pour tous les matériaux. Alors si vous utilisez les vinyles spécial Cricut Joy, vous pouvez les utiliser sans tapis, mais évidemment vous ne pourrez pas utiliser des morceaux recoupés, il faudra mettre l'entièreté du rouleau. Alors évidemment il ne prendra pas tout le rouleau, hein, mais il va découper donc au niveau de la largeur du rouleau, donc il faut vraiment que la largeur soit respectée, donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas utiliser vos chutes sans tapis, qu'il est donc important de les utiliser avec le tapis. Donc ici je vais sélectionner pour tous les matériaux sur le tapis, terminé. Et donc voilà, ici il me montre comment va se faire la découpe. Il va donc me montrer où je dois positionner tout simplement mon vinyle pour être sûr que ça ne dépasse pas. Donc ça c'est vraiment hyper important. Comme ça vous pouvez donc bien positionner vos chutes de vinyle si vous en avez. Alors ici vous pouvez évidemment modifier un petit peu, vous pouvez le descendre, vous pouvez le monter, c'est vraiment à vous de voir. Moi je le décale toujours un petit peu pour être sûr. Donc une fois que c'est bon, je vais venir donc appuyer sur connecter, continuer, pardon. Donc là il va connecter la machine à l'ordinateur, donc c'est une connexion via Bluetooth. Franchement moi je n'ai eu aucun problème pour la connecter, ça s'est toujours super bien passé. Alors ensuite ici il va donc vous demander de choisir le papier que vous voulez. Donc ici moi c'est du smart vinyle, alors ici c'est donc un motif holographique. Alors vous pouvez donc ici parcourir les matériaux et donc vous allez voir un petit peu tout ce que ici il vous propose. Il y a des Cricuts, il y a des non Cricuts, donc voilà il y a vraiment plein de choses, ça c'est vraiment à vous de choisir. Alors moi à chaque fois que c'est quelque chose que j'utilise, je viens donc sélectionner ici la petite étoile parce que c'est évidemment quelque chose que j'utilise souvent.
Donc comme ici pour le Smart Vinyl à motif holographique. Donc je viens sélectionner celui-là. Alors moi je laisse toujours ici pression par défaut parce que comme c'est du matériel Cricut, il n'y a pas de raison que je change. Donc voilà, tout simplement je laisse celui-là. Alors ensuite évidemment il me donne les étapes à faire. Donc ici charger la lame à pointe fine dans la mâchoire, c'est fait. Et ensuite charger le matériel. Donc ici c'est fait. Alors on va repasser sur la caméra justement pour pouvoir voir comment ça se passe au niveau de la machine. On respecte bien ce que l'ordinateur nous dit, donc de charger la lame c'est fait et de venir charger le matériel dans la machine. Donc ici on va bien venir mettre le tapis et ici de part et d'autre il y a des petites encoches, donc c'est vraiment pour bien diriger le tapis. Donc voilà, on y va délicatement. Sur l'écran de l'ordinateur, il me dit chargement. Joy s'assure que votre tapis est aligné. Donc là, il est bien aligné. Donc c'est bon. Une fois que la Joy a donc terminé de faire ses petits réglages, elle va nous proposer de cliquer sur Go. Donc évidemment, c'est ce qu'on va faire. On va mettre Allez. Et donc la machine va se préparer et donc va commencer à découper les lettres. J'ai décalé la caméra pour que vous puissiez donc voir ici que vous voyez donc la progression de la découpe à l'écran. Une chose très très importante, c'est que quand la découpe est terminée, il va vous proposer soit de relancer une fois la découpe. Si vous voyez que ça n'a pas bien été découpé, vous pouvez le faire, mais en général avec du matériel Cricut, il n'y a pas besoin. Ou de décharger. Alors très important, on ne tire jamais sur le tapis, on appuie tout simplement sur décharger. Donc voilà, ici je vais donc cliquer maintenant sur décharger et vous allez voir que le tapis va donc sortir. Une fois qu'il est déchargé, vous pouvez donc retirer le tapis. Alors évidemment au niveau de l'ordinateur, une fois que la découpe est terminée, il suffira simplement de cliquer sur finir. Donc voilà, ici ma découpe est donc terminée. On va venir découper, hop, on va venir l'enlever comme ceci, le décoller. Alors il faudra impérativement que je fasse le nettoyage de mon tapis parce qu'il ne colle plus bien. Donc là il faudra un petit peu que je regarde comment faire pour être sûr de ne pas l'abîmer et que ça continue toujours à bien coller. Donc évidemment il faut toujours remettre le film ici de protection. Donc voilà ici bah, ce que ça donne tout simplement. Alors comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai un côté qui n'a pas été utilisé. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais venir donc découper ce côté et garder la chute pour une prochaine création. Alors ce qu'il faut donc savoir, c'est que aussi bien tout ce qui est Cricut que comme ce qui est pour le scrap, ça coûte quand même assez cher. Donc moi je suis vraiment anti-gaspillage, j'essaye évidemment d'utiliser au maximum ce que j'ai pour justement ne pas devoir trop dépenser parce que sinon ça revient vite très cher. Et comme j'aime beaucoup avoir du matériel de qualité, je ne peux pas me permettre évidemment de jeter un morceau de chute pareil. Donc ça je le garde bien précieusement, il ira rejoindre donc ses copains dans mon petit tiroir. Alors ensuite ici on va venir donc faire ce qu'on appelle l'échenillage. On va venir donc écheniller. On va venir donc enlever la grande partie pour avoir uniquement l'écriture qui va donc rester. Alors évidemment quand on commence à faire aller la Cricut, on prend vraiment son temps, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas avoir de timing parce que ça doit rester quand même du plaisir avant tout. Et c'est vrai que moi il me faut voilà, il me faut ce petit moment pour pouvoir justement bien faire ça. Donc ici je suis venue choper le côté et on va venir tout simplement enlever l'excédent de papier, mais ça on ne saura évidemment rien en faire malheureusement, mais il faut vraiment venir enlever tout ça très 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 délicatement. Donc voilà, ici j'ai retiré le gros du papier, donc voilà ici évidemment bah, je vais devoir le jeter et ensuite je vais donc venir écheniller le reste. Alors écheniller, qu'est-ce que c'est? C'est donc enlever, donc je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. C'est donc enlever les petites parties comme ceci, comme ici dans le O, ici dans les S. On a également ici dans le O, dans le R et on a également dans le E et dans le S, donc les petites parties à enlever. Alors une petite chose hyper chouette, c'est que vous enlevez l'embout de l'échenilleur et vous avez ici de quoi venir mettre vos déchets tout simplement, parce que c'est vrai que ça colle très très fort et c'est parfois super super embêtant. Alors ce que je vous conseille, c'est que le grand morceau qu'on a enlevé, c'est de le jeter tout de suite dans la poubelle parce que ça risquerait de venir vous embêter, et de faire attention lorsqu'on échenille évidemment de bien faire attention de jeter ces petites crasses au bon endroit.
Donc là, c'est parti, je vais venir commencer à écheniller tout ça. Alors ici, ça va, il n'y a pas trop à écheniller, mais c'est vrai que comme j'ai du mal à me servir de ma main, lorsqu'il y a beaucoup à écheniller, c'est mon mari qui s'y colle. Donc voilà, c'est un travail de famille. Alors ma grande qui a 8 ans a voulu essayer l'autre fois, elle s'est pas mal débrouillée, bon quelques petits ratés évidemment, c'était la première fois mais elle s'est bien amusée, donc voilà, c'est vrai que vous pouvez faire quand même plein de choses avec les enfants. Donc ici hop, on vient écheniller tout ça. Alors j'ai très vite des crampes donc il faut que je fasse quand même attention. Je vais donc terminer d'écheniller tout ça et puis je reviens. A few moments later. Donc voilà, ici on a bien échenillé toutes les parties qu'on devait faire. Donc voilà, maintenant ça c'est bon, on va donc pouvoir passer aux petites décos qu'on va donc ajouter à notre petite création. Donc voilà, ici j'ai terminé donc l'impression de loisir est sortie. Donc ici je vais tout simplement venir l'enlever, donc c'est fait. Et maintenant on va passer donc à la petite déco. Donc ici on va un petit peu regarder dans les images. Donc voilà, vous tapez simplement sur images et donc vous allez avoir des tas et des tas d'images de Cricut qui vont donc apparaître pour pouvoir faire vos petites décorations. Alors évidemment ici dans la colonne de gauche vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez, si c'est des trucs en langue étrangère, le type, voilà, vous avez 3D, cartes, etc. Le type d'art à découper, à dessiner, ça c'est vraiment à choisir. Donc moi ici ce sera surtout à découper. Alors on va regarder ici également, on peut regarder s'il y a plusieurs couches, enfin bon ça on rentrera dans les détails dans une autre vidéo. Donc moi ici pour loisir est sorti, je vais mettre restaurant, je vais voir un petit peu ce qu'il me propose. Alors parfois les mots ne sont pas toujours super corrects, donc voilà, ça c'est vraiment à vous de voir. Donc ici il y a plusieurs petits dessins. Donc là c'est vraiment à vous de choisir ce que vous voulez. Alors évidemment plus le dessin est complexe et plus il y a à écheniller. Donc faites quand même attention à ce que vous choisissez. Alors la glace ici est assez chouette mais au niveau échenillage ça va être beaucoup de travail. Donc ici on va regarder pour quelque chose de plus facile. Alors le hamburger il fait vraiment trop envie. Alors évidemment ici on pourrait le faire en plusieurs couleurs et justement faire des superpositions. Mais ça je suis pas encore super à l'aise avec ça, donc pour ça je vais tout simplement passer mon tour. Alors ici il n'y a pas vraiment ce que je recherche, on va venir voir un petit peu si on trouve autre chose, si je note par exemple glace, on va essayer de trouver quelque chose qui sera beaucoup plus facile. Voilà, celle-ci, elle est pas mal et au niveau échenillage franchement c'est quand même relativement facile. On va quand même regarder s'il n'y a pas une autre. Alors c'est vrai que quand vous voyez ça, il y a mille et une idées, hein, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Donc ici on va rester uniquement dans le simple et dans le soft pour l'instant. Évidemment par la suite je vous montrerai des tutos si vous en voulez un petit peu plus, on va dire compliqué. Mais bon là on va donc faire simple pour aujourd'hui. Ça je trouve que c'est pas mal du tout. Alors ça on va pouvoir l'ajouter. Voilà, ça reste simple, ça reste soft, j'aime beaucoup, voilà. Alors, on va regarder si on trouve... Alors, moi, j'aime beaucoup le rose, donc ici, je vais donc préparer du rose que je vais donc venir encore, comme tout à l'heure, recoller sur mon tapis pour justement pouvoir avoir donc ce petit, cette petite glace qui est vraiment très, très, très jolie. Donc, je vais venir faire ça. On va regarder au niveau de la taille ce que ça donne pour avoir justement... la bonne découpe à la bonne taille. Donc là c'est parti, on va donc appuyer sur créer sur le tapis, évidemment pour tout type de matériaux comme tout à l'heure. Et donc ici on va voir où je dois le positionner et on va donc faire ça tout de suite. Alors évidemment je ne vais pas vous remontrer comment donc ça coupe avec la Cricut, ça vous l'avez vu. Je vais donc appuyer sur continuer. Il va donc se reconnecter à la machine. On va donc ici choisir le Smart Vinyl Permanent. La lame est bien chargée. Je vais donc charger mon tapis. Donc là, c'est bon. Et on va donc cliquer sur « Aller ».
Et comme tout à l'heure, on va donc suivre la découpe. Et donc là, on voit que c'est déjà 100% découpé. La machine, elle, a presque terminé. Et donc, on va venir appuyer tout de suite sur décharger pour qu'il nous rende le tapis. Et donc ici, c'est terminé. On vient donc appuyer sur finir. Donc voilà, ici mes deux petits designs sont prêts pour donc aller sur l'enveloppe. Je vais donc venir les y mettre tout de suite. Alors évidemment, je ne vais pas vous montrer ça en vidéo, je vous montrerai le résultat final. Si vous voulez voir justement comment mettre des étiquettes vinyle sur des enveloppes, je vous remets la vidéo dans le petit juste ici au-dessus. C'est une vidéo que j'avais déjà fait, donc ça, n'hésitez pas à aller la revoir si ça vous intéresse. Donc là, c'est parti. Je vais venir donc appliquer tout ça sur ici, la petite enveloppe. C'est parti. Donc voilà, j'ai terminé ma petite enveloppe. Alors franchement, j'aime beaucoup le résultat. Moi, l'holographique, j'adore. Et les écritures assez fines, comme ça, j'adore. Maintenant, faites attention si vous êtes vraiment débutant. Parce que plus les écritures sont fines et plus c'est quand même compliqué à appliquer, même avec le transfer tape. Donc faites quand même attention aux écritures. N'hésitez pas à grossir parfois un petit peu les écritures pour être sûr de pouvoir les mettre facilement. Donc voilà ici ma petite enveloppe, ce que ça donne. J'aime beaucoup. Alors moi, j'aime beaucoup le rose, le graphique et tout ça, donc voilà, je suis comblée. Alors évidemment, on peut remettre une autre petite déco ici. Moi, j'aime quand même ce qui est assez simple, assez soft. Donc voilà, encore une petite enveloppe de faite et de prête. Donc voilà les amis pour cette petite présentation et ce petit tuto un petit peu Cricut. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné peut-être, qui sait, l'envie tout simplement d'acheter la machine si vous en avez la possibilité. Donc voilà, c'est vraiment une machine qui est très très chouette. Comme vous avez vu, on peut faire vraiment plein de choses. Alors il y a énormément de choses encore que je ne vous ai pas montré. Par exemple, on peut faire des petites boîtes, on peut faire également des marque-pages, on peut faire des petites créations en papier, je veux dire un petit peu plus cartonné. Donc voilà, c'est vraiment hyper chouette, on peut vraiment faire plein de choses. Alors maintenant, au niveau des dessins, si par exemple il y a des choses que vous aimez, moi par exemple mes filles voulaient faire un bricolage d'Halloween, bon les petits bricolages que tous les enfants font, donc avec la Cricut je leur ai fait donc des petites sorcières, des petites citrouilles, etc. dans du papier assez cartonné, donc qu'elles ont fait sur un dessin, qu'elles ont collé, etc. Voilà, ça les a bien occupées, on a fait ça ensemble. Si vous voulez donc occuper vos enfants, c'est vraiment hyper chouette d'avoir la Cricut sous la main parce que ça peut leur faire faire des bricolages, ça peut vous donner des idées et puis vous, ça peut vous permettre de faire vraiment plein de choses. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle a été un petit peu longue mais il fallait vraiment que je vous dise le maximum de choses. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire si l'envie vous en dit, mais j'espère que l'envie vous en dit, une cœur une fleur, n'importe quoi, laissez-moi ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos sur la Cricut. Je me ferai un plaisir de le faire parce que j'aime beaucoup cette machine et c'est vrai que je l'utilise énormément. Si c'était à refaire, je la rachèterai les yeux fermés et peut-être même que je me prendrai le modèle au-dessus. Mais bon, ça, ce sera pour plus tard. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!